Leurs ancêtres arrivaient de différentes régions, d'ethnies diverses. Ils étaient enlevés dans des contrées intérieures. Et pourtant, plusieurs siècles après, ils constituent une seule communauté, un seul peuple intégré dans une région où ils se sont fait une place à leur retour sur le continent, les Aguda. Je suis un métis des négriers et des véritables esclaves. Moi, je suis Aguda à plusieurs titres. Par mon grand-père d'abord, qui est Carlos. Je suis une fille de Medeiros. Mon nom de jeune fille, c'est Francisca de Medeiros. Mon grand-père est venu de Bahia. C'était Amaral Venancio Saluciano. Da Silva, c'est un négrier. Et Paraiso, un esclave qui s'est affranchi. Ma grand-mère maternelle est Aguda. Mon aïeul, c'était Don Francisco Félix de Souza, que le roi d'Abomey a appelé Chacha Mito. Ma maman, à moi, est aussi Aguda. Ma maman est de Souza. Alors, je suis environné, entouré d'Aguda. Il y avait des terres vierges qu'ils ont pu acquérir. Ils ont fait des plantations. Ils acquièrent des esclaves à leur tour pour travailler dans leurs vastes plantations. Ils n'ont pas fait du commerce des esclaves en tant que tel. Puis avec l'abolition, les mères étaient très surveillées. Donc ceux-là prenaient des esclaves pour travailler dans leur domaine agricole. Les Africains esclavisés qui ont acheté leur liberté au Brésil et qui se sont retournés en Afrique, ils ont fait aussi le commerce d'esclaves. Avec les Aguda, l'agriculture béninoise va connaître une vraie révolution. D'abord, le palmier à huile, c'est ce qui est amené. C'est avec le palmier à huile, le maïs, le manioc, que reste-t-il ? Presque tout ce qui constitue aujourd'hui nos machines de base. C'est pour ça que nous sommes devenus les premiers producteurs d'huile de palme sur la côte d'Afrique. Le palmier à huile a permis aux Aguda de faire cette mutation-là en douceur. En réalité, les Aguda vont fortement influencer à la fois l'économie, mais également introduire de nouvelles habitudes alimentaires, mais aussi des produits ramenés du Brésil qui rentrent dans l'alimentation à la fois des autochtones, mais également des peuples de toute la sous-région. Il y a feijoada, qui est une sorte de sauce avec les tripes et autres viscères des moutons. Concada, par exemple, là, mais il y a plusieurs sortes. C'est des grains d'arachide que l'on mélange avec du sucre fondu et on fait des boules. La cuisine brésilienne, si on est à Bahia, on mangerait des plats qui sont venus d'ici. Le cozido et autres plats qui sont venus de la cuisine brésilienne. Un élément que nous considérons comme un élément de notre vie, hein, le gari, qu'on appelle farinha au Brésil. Bon, ça vient du Brésil, puisque ce sont les Amérindiens qui ont domestiqué le manioc, ou cassave, comme on dit aux Antilles. En ce qui concerne la cuisine, il y a une chose très intéressante, que c'est le manioc. Le manioc, il a été domestiqué, né, maîtrisé par les Indiens Tupi à la côte du Brésil, et les Portugais l'ont disséminé un peu partout en Afrique et en Asie. Donc c'est la première chose importante de la cuisine brésilienne dans cette région, soit aguda ou pas aguda. Ils avaient apporté tous les fruits que nous utilisons aujourd'hui, à commencer par les bananes, les oranges, la canne à sucre, qui est juste à semer ici, et puis pommes, cajou, anacardes, tout ça existait avant l'avènement des Français. Et tout ce monde-là, ils plantaient des plantations. La route qui va de Sémé au Nigeria aujourd'hui est jonchée de palmeraies, est jonchée de cocoteraies. Tout ça est dû à l'œuvre des Afro-Brésiliens. Certains métiers tels le cordonnier, le barbier, le menuisier ébéniste, le tailleur, le forgeron sont introduits au Bénin par cette communauté qui domine, qui est de plus en plus riche. On va aussi voir apparaître les pâtissiers,
qui sont en majorité des femmes, et les tailleurs. Je fais dos à ma chambre. Vous voyez le style, ce sont les Portugais qui ont initié, les maçons qui ont initié des menuisiers pour faire les meubles qui sont chez nous. Évidemment, l'un des apports les plus visibles est l'architecture dite afro-brésilienne. C'est certainement par cela que les afro-brésiliens ont marqué les espaces dans les villes où ils se sont installés, sur l'ensemble de la côte, hein, depuis Dakar jusqu'en Angola probablement. On trouve l'architecture afro-brésilienne, je dirais depuis Elmina au Ghana, en passant par Cape Coast, en allant à Lomé, à Necho, à Gué, Huida, quelque peu à Grand Popo, sur Porto Novo, Badagry et Lagos. Donc je dirais que toutes ces terres qu'on appelait la côte des esclaves, et qui est maintenant devenue la côte du golfe du Bénin ou du golfe de Guinée, renferment des vestiges qui sont peu ou prou entretenus ou restaurés ou réhabilités. Il y a un certain syncrétisme par rapport à ce qu'on appelait à l'époque, fin 18e, début 19e siècle, l'architecture portugaise était surtout d'inspiration baroque, et ce que les Afro-Brésiliens ont amené en Afrique, ils ont ajouté des couleurs plus vives qu'on ne trouve pas dans l'architecture portugaise. Ils ont ajouté un certain syncrétisme au niveau à cause des emprunts qu'il y a eu par rapport à l'architecture traditionnelle, à certaines figurines ou à certains éléments de décoration. Tout cela a fait ce qu'on peut appeler l'architecture afro-brésilienne. Donc, elle a beaucoup d'emprunts à l'architecture portugaise ou brésilienne, mais elle a aussi une certaine caractéristique qu'on voit sur les frises, il y a aussi sur la décoration au niveau des couleurs et sur l'aménagement intérieur aussi. On peut trouver des vestiges sur toutes les villes, de Grand Popo en passant par Agoué, à Ouida, il y en a beaucoup, à Porto Novo, il y en a quelques-unes encore à Cotonou, mais on en trouve surtout à Porto Novo et à Ouida. L'un des fleurons de cette spécificité architecturale est sans aucun doute la mosquée centrale de Porto Novo, dont les formes ne rappellent en rien le style d'une mosquée ordinaire. C'était une vieille, une photocopie d'une église de Bahia. La seule différence, ils ont enlevé la croix pour mettre le croissant. Effectivement, cette mosquée achevée en 1930 est une réplique de la cathédrale catholique de San Salvador de Bahia, au Brésil. Avec les Afro-Brésiliens, toute la région du golfe du Bénin est entrée dans l'ère des constructions durables, faites de briques selon la technique et le style architectural employé au Brésil. De beaux bâtiments de style colonial brésilien destinés au commerce et aux habitations vont se multiplier à Ouida, Porto Novo, Agoué, Grand Popo et un peu partout sur la côte. Ces bâtiments afro-brésiliens sont notamment parés de diverses décorations murales particulièrement expressives, fruit d'un savoir-faire ancestral. Ce sont les meilleurs charpentiers, artisans, maçons. D'abord, quand la France, après la colonisation, la France s'est servie d'eux. La France n'a pas amené d'ouvriers ici, du tout. Ce sont les Agoulas, les ouvriers Agoulas, qui ont conçu, par exemple, les vieilles maisons françaises que vous voyez à côté. Parce que là-bas, ils ont appris des métiers. Ils étaient tonneliers, ils étaient maçons, ils étaient charpentiers. Et c'est une nouvelle forme de bourgeoisie qui va s'installer. Et qui va avoir un temps hautain envers ceux qui sont restés. Et ils vont dire aux colonisateurs, c'est nous, c'est chez nous ici. Nous allons servir d'intermédiaire puisqu'on parle portugais, on parle votre langue. De fait, les anciens négriers et les anciens esclaves se retrouvent à vivre ensemble comme une communauté, un groupe social avec ses codes. Ça a été cultivé et on a même gommé le statut servile en quelque sorte. On ne se réclamait plus esclave. On est revenu chez nous,
mais on est supérieur aux natives, c'est-à-dire aux autochtones, en quelque sorte. Donc, communauté à part, complètement à part, avec ses rites, avec ses habitudes cultuelles et culturelles, donc une sorte de démarcation nette, en quelque sorte. On ne se confond pas avec les autres. C'est des gens qui ont construit leur maison ici, exactement comme au Brésil. En particulier, ils avaient un endroit où on séquestrait, où on emprisonnait. Bon, mais ici, ils n'emprisonnaient pas seulement les esclaves, parce qu'eux aussi, arrivés ici, ils ont acheté aussi des esclaves. Mais c'est que certains, leurs propres certains, enfants certains. Étaient soumis oui, à ce régime. Bon, c'est un petit coin où, en tout pour tout, vous ne pouvez qu'au maximum vous lever ou vous asseoir. Mais, en son temps, c'est juste un sous-sol avec quelques alcôves. Un jour, je passais avec ma mère et j'ai dit, maman, ici, là, c'est quoi? Elle dit, hé, mon petit, viens. Là, ce n'est pas des choses qu'on raconte au grand jour. Quand on te punit, c'est là-bas qu'on t'envoie et on surveille. Si jamais quelqu'un t'envoie du pain, lui aussi va te rejoindre. Vous voyez un peu. Ce qu'ils avaient de plus, c'est que tous leurs enfants suivaient leur père dans leurs activités. Les enfants étaient des apprentis. Quand le père mourait, ils prenaient cultivateur, maçon, coiffeur, les divers métiers. Et les filles étaient réservées pour la cuisine. Ils fabriquaient avec leur mère, ils ont appris à fabriquer le pain, tous les fruits, toutes les diverses friandises, et à tisser certaines couvertures. La communauté Agouda domine donc dans de nombreux domaines l'économie du Bénin. Le commerce, l'artisanat, l'agriculture, l'architecture. Ils sont l'aristocratie noire qui fait envie. Ils vont ainsi mettre en place des écoles où tous leurs enfants, garçons et filles, apprennent à lire et à écrire en portugais, avec une éducation des plus strictes. Si vous voyez les symboles qu'ils ont choisis pour maintenir la distance, aujourd'hui on rit, mais c'était important à l'époque. Si vous allez demander la main d'une de leurs filles, on vous demandait combien de kamas, combien de lits vous avez, comment vous mangez. Vous mangez avec la main ou bien vous mangez avec la fourchette. C'était des signes d'appartenance à la bourgeoisie ou non. Arrivé à l'école normale, mes camarades de même promotion, il y en avait qui ne pouvaient pas tenir la fourchette ni la cuillère. Alors que bon, moi, j'en étais. Ce n'est pas une gloire. Non, pas du tout. Ce n'est pas une gloire en tant que telle. Mais l'éducation de base a changé. Si ce camarade qui ne pouvait pas, ces camarades qui ne pouvaient pas tenir la cuillère ou la fourchette m'avaient amené dans leur milieu où il fallait piocher la nourriture avec les doigts et autres, là, moi aussi, je serais aussi maladroit. Donc, ça dépend du milieu. Ce qu'on voit de travers peut être aussi un acquis pour l'autre. Dans cette période du 19e siècle, la communauté Agouda séduit, elle domine, elle fait envie. Et leurs esclaves à eux s'emploient même à prendre leur patronyme. Ils apprennent également les métiers dans lesquels ils excellent. Abaya Moudou Sabile, Tomono Baya, Fomore. Les enfants de Baya, filles et garçons, allez à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Dans cette période où être Agouda est une situation privilégiée, la communauté crée un mode de vie à cheval entre certains rites, certaines fêtes empruntées au Brésil et les traditions locales. Les fêtes familiales qui rassemblaient, n'est-ce pas, les communautés. Il y avait un pique-nique géant qu'on appelle le Bonfim. Je crois qu'on ne le fait plus, alors que chaque année, nous l'attendions quand on était tout enfant. Il y avait le carnaval qu'on organisait ici avec Papa Giganta, Mama Giganta. Tu vois, c'est des grands personnages du carnaval qu'on reproduisait ici.
festival Kaleta, c'est le festival des masques Kaleta, qui sont des masques Aguda. Et c'est des masques qui nous sont venus du Brésil après l'abolition de l'esclavage. Les Afro-Brésiliens sont venus s'installer à Ouida après l'esclavage. Ils ont amené ce patrimoine qui est très répandu dans le sud du Bénin. On retrouve ça à Goué, au niveau de Grand Popo, à Ouida, à Caravi, sur le long du littoral atlantique jusqu'à Guadagri, au Nigeria. Le carnaval que vous avez vu à Porte-Novo et qui se fait aussi peut-être en miniature à Ouida ne ressemblera jamais au carnaval du Brésil. Mais aussi, le carnaval du Brésil ne ressemblera jamais au carnaval du Bénin ou de Porte-Novo. On est soi-même. On a notre sens du devoir ou de manifestation des festivités. Le Brésil a ses principes. Nous avons vu le carnaval du Brésil où cela se termine par des épisodes sanglants. Ici, il n'y en aura pas. Souvent, au carnaval du Brésil, il y a des morts, il y a la drogue et autres. Là, que l'on m'excuse, on n'en verra pas ainsi ici. Sur le plan religieux, la communauté Aguda se singularise aussi. On y trouve des chrétiens, des catholiques revenus du Brésil où l'on baptisait automatiquement l'esclave de force, souvent, et l'obligeait à oublier sa croyance ancestrale. Rites et divinités qu'il dissimulait au maître, mais conservait jalousement et adorait discrètement. Dans la communauté Aguda, on compte également des musulmans qui pratiquent une croyance ouverte et tolérante. Ils se trouvent plus proches des autres Brésiliens que de leurs co-religionnaires restés au pays. Les nouveaux convertis l'ont été dans le cadre des révoltes. Leur islam, séculier et pragmatique, fraternise autant avec les animistes qu'avec les catholiques. Comme ces derniers, ils tirent profit pour leurs enfants de l'enseignement colonial, à la différence des musulmans du Nord. Sur place, un nouveau syncrétisme entre les deux religions révélées, d'une part, et les religions africaines, d'autre part, s'est développé, avec un bel esprit de tolérance et de compréhension. Ce n'est pas un facteur de division. Les musulmans vivent ensemble avec les autres Agoudas catholiques. Ils partagent les mêmes cérémonies. Le vaudoune est également très présent dans la société Aguda. Il n'y a pas d'Aguda sans vaudou, surtout le vaudou de la richesse, le vaudou du rayonnement matériel, le don. Tout Aguda a, en fait, a le don. Ce qui était curieux, pour ceux qui étaient chrétiens, nous on était chrétiens, je suis né donc dans une famille catholique, où on fait la prière du matin, on récite l'Angélus à midi, et on fait la prière du soir. Et on portait des médailles au cou, des croix. Ah oui, 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 c'était bien ordonné. On faisait sa première communion, sa seconde communion, qu'on appelait la communion solennelle. Ah oui, ça donnait lieu à une fête particulière. On a gardé tout ça, mais à côté de cette observation ou cette observance, n'est-ce pas, stricte de tout ce qui relève de la religion du colon, nous avons des traditions très africaines, ce qu'on appelle la sortie des enfants. C'est le baptême traditionnel. On est baptisé à l'église, mais on est aussi baptisé selon des rites qui nous sont propres. Quand quelqu'un meurt, on fait tout ce qu'il faut dans l'esprit de la religion chrétienne. Mais il y a des cérémonies particulières qui sont revenues avec ces anciens affranchis et qui accompagnaient le mort dans l'au-delà. Donc,
Assimilé, oui. Mais authentique quelque part, oui. C'est vrai qu'ils sont venus avec des apports nouveaux, mais ils se sont aussi familiarisés de nouveau avec ces apports qui étaient sur place. Vous allez voir, par exemple, il y en a qui pratiquent le culte des Egougoun. Mais ce n'est pas de la même façon que les gens pratiquent le Egougoun là-bas, qui le font ici. Mais toutes les familles Agouda, en principe, ont voulu une certaine inculturation en prenant des... je ne dirais pas idoles, en prenant des totems. Et ainsi, nous aussi, nous avons un totem dans notre famille. Mais on ne le pratique pas. Nous n'en sommes pas adeptes. Ce sont justement des gens qui sont là pour adorer ou bien pour le rituel de cet totem-là. On ne s'est jamais détaché de ça. Et ça ne se vit pas comme une sorte de syncrétisme. Ça se vit comme l'autre part de soi. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous regardez bien la carte religieuse de Ouida, quand vous prenez le catholicisme, le catholicisme est à côté du temple de Python, qui est l'ancêtre mythique des peuples Kwira de Ouida. Quand vous prenez le protestantisme, c'est à côté ou tout autour de cette église se trouvent érigés des temples de vaudou, que ce soit de l'ère culturelle Nago Yoruba ou de l'ère culturelle Fon. Et quand vous prenez l'islam, la grande mosquée de Ouida se trouve à côté du grand temple qui consacre les grands dignitaires vaudou et tout autour aussi gravite des temples d'air culturel Nago, Yoruba, Kwida et autres. Et aujourd'hui, quand vous allez encore là, parce qu'avec le temps, il y a eu encore d'autres mosquées, il y a eu encore d'autres églises. Et quand vous voyez tout autour, il y a toujours... Bon, c'est bien vrai que les gens disaient, voilà, ce n'est pas... c'est notre religion qui est la meilleure religion. Mais les gens n'ont pas été en profondeur pour leur dire, voilà, ce que vous dites là, c'est erroné. Mais ils les ont laissés découvrir. Et c'est ça qui continue de faire la valeur du vaudou jusqu'à ce jour. Tous les Béninois sont plus ou moins syncrétiques. C'est-à-dire, on baigne dans un climat qui nous offre aussi bien le visage du Christ que le visage du candomblé qu'on a ramené du Brésil, ou du vaudou que nous avons, n'est-ce pas, exporté, en quelque sorte, en Haïti. Cette communauté Agouda, riche, très convoitée, vit d'abord en vase clos. Elle ne se mélange pas. Qu'est-ce que vous faites si vous étiez à leur place? Les gens qui sont revenus, qui sont traités par les autochtones, ben, pour pouvoir résister, il fallait qu'ils s'unissent, qu'ils vivent ensemble. C'était leur force. Ceux qui se hasardaient à aller vivre ensemble, ils payaient de leur vie. Ce ne sont jamais des mariages inédits. Moi-même, on poussait dans mes bras, je me rappelle toujours, une da Silva, pour qu'on reste entre soi. C'est une notion très importante dans cette communauté. Rester entre soi. Ne pas diffuser l'héritage hors des limites qu'on s'est fixées. Les Agouda se marient seulement entre eux. Dans la communauté, les plus riches, les familles les plus fortunées, peuvent épouser les filles des anciens négriers qui les considèrent comme des alliés. Les
les Agouda ne donnaient pas leurs filles en mariage, mais ils avaient droit de cuissage sur les jeunes filles locales. Et cela va donner petit à petit un mélange que eux ils ne voulaient pas, mais la nature a ses droits. Ce qui fait que quand vous allez à Ouida, vous prenez, parce qu'ils ont tous gardé les noms du Brésil là-bas, si quelqu'un s'appelle De Souza, vous devez faire l'enquête pour savoir s'il est De Souza, De Souza, ou bien s'il fait partie du droit de cuissage, et ou bien quand le maître allait dans les champs pour vérifier les choses, qu'est-ce qui se passait dans ces champs-là. Et quand le vieux va mourir, tout le monde est De Souza. Et cela a été facilité par quoi? Le fait que très souvent, ce sont les enfants nés de ces mariages, hors mariage, entre guillemets, qui connaissaient tous les secrets, l'étendue des terres, les incantations qu'il fallait pour honorer les dieux de la maison, où est-ce que le vieux cachait ses pièces d'or, etc. Ça fait que, par ce biais, on arrive à ce résultat bizarre. Quand le vieux mourait, les enfants authentiques qui faisaient qui menaient grande vie ne savaient pas où le vieux avait caché les trésors. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait donner à boire et à manger aux dieux là, etc. On était obligé d'aller chercher ces enfants non-enfants pour dire, mais c'est où, comment ils faisaient, où est-ce qu'ils mettaient telle chose, etc. Et les autres les regardaient en disant, mais nous sommes illégitimes, on ne sait pas. Et par ce biais, ils ont pris le pouvoir. Ils connaissaient tous les trésors, ils connaissaient beaucoup d'éléments que les enfants qui étaient dans la maison ne connaissaient pas. Ces Agoudas qui sont plus instruits et qui ont adopté les manières de Blanc séduisent. Il est même de bon ton pour les hommes d'épouser une Agouda. C'est un signe de réussite dans la société béninoise de cette période du XXe siècle qui démarre. Pour montrer un peu qu'on a une bonne classe dans la société, c'est bien de marier une fille d'une famille Agouda. Pour beaucoup de raisons, mais les unes, par exemple, c'est elles savent très bien faire à manger, elles tiennent proprement la maison, bon, elles savent également s'occuper de leur homme. Vous voyez? Donc, pour montrer que vous êtes un peu prestigieux dans votre société, particulièrement au Dahomey et à Porto-Novo, il faut avoir parmi, malheureusement, vos épouses, une au moins qui soit Agouda. Et quand on est étranger à cette communauté, et que vous voulez épouser une Carlos, une d'Almeida, une d'Aconcessao, on vous soumet à un examen. Ah oui, oui, oui. Alors il y a un jury qui se constitue et vous êtes là parce que vous n'êtes pas de la communauté. On vous fait franchir un pas. C'est une épreuve d'initiation. Est-ce que vous mangez dans votre communauté de base du fromage? Est-ce que vous utilisez à table une fourchette? Est-ce que vous dormez sur un lit? C'est autant de questions qu'on posait à l'impétrant, en quelque sorte. Et c'est au bout du compte que le jury délibère et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas l'entrée dans la communauté de celui-là qui veut faire un saut vers nous. C'est un honneur que d'avoir comme épouse ou époux un Agouda. Les Agoudas, à ce moment-là, composés par les descendants de négriers, les esclaves revenus, leurs descendants et leurs propres esclaves, sont à l'origine de pratiquement toute l'activité économique moderne et de la pénétration de la culture occidentale dans la région. Par ailleurs, ils représentent le futur, dans la mesure où leur style et leur code de vie ont fini par s'imposer. Cette communauté respectée, riche, la plus alphabétisée, la plus instruite, va évidemment avoir les faveurs de l'administration française lors de son implantation dans le pays. C'est elle qui va être leur auxiliaire. Elle joue un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir colonial et les autochtones.
L'administration française, sans les reconnaître comme étant au même niveau que les Européens, admet que les Agoudas sont tout de même plus évolués que les autres Africains. Elle va même leur accorder un statut spécial. Et je peux vous dire qu'avant l'arrivée des Français, au Dahomey d'alors et Bénin d'aujourd'hui, il y avait une grande civilisation afro-brésilienne. Le colonisateur va préférer avoir des députés élus et contrôlés plutôt que ces gens qui débarquent du Brésil et qui veulent très rapidement dire, mais vous dites que c'est la civilisation, bon, on l'a. Vous dites qu'il faut parler votre langue, on sait faire. Les métiers, nous les avons. Donc maintenant, on se présente en intermédiaire. Non, on ne va pas vous laisser faire. Pendant les guerres, ce sont ceux-là qui vont servir d'intermédiaires dans l'armée du général Dodds pour aller combattre Béhanzin. Cette communauté a joué un rôle important dans la colonisation. Les premiers lettrés, c'était dans leur rang. Donc ils ont été des auxiliaires zélés, pour certains, dans la colonisation du Bénin. Ils étaient des maîtres d'école, ils étaient les interprètes dans les tribunaux et ils assistaient en quelque sorte, donc une sorte de participation, un peu ce qu'on appellerait collabo. Les relations entre les Agoudas et l'administration française vont connaître plusieurs épisodes. Lorsqu'au lendemain de la conférence de Berlin, où les puissances partagent l'Afrique en 1884, le Dahomey devient une colonie française. Les Afro-Brésiliens, qui constituent une élite déjà formée, plus au courant de la civilisation occidentale, vont être les interlocuteurs, les partenaires désignés. Ils vont d'abord être les alliés des Français, qui les utilisent comme des intermédiaires vis-à-vis des autochtones. Les grandes familles de Porto Novo, par exemple, vont même participer directement à l'effort de guerre contre le roi Béhanzin. Ignacio Parezo, l'important notable de Porto Novo, va même être le seul Africain à obtenir un siège au conseil de la colonie dès son installation. Ils vont bénéficier de la citoyenneté française. La France va même officialiser ce particularisme dans le langage. On dit « monsieur » à un Européen, « le sieur » pour un Afro-Brésilien et le nommé pour le sujet d'Ahomey. Les Français commencent à prendre possession du pays en écartant les Agoudas des activités économiques les plus rentables. Ce déclin commence d'abord par le commerce de gros, et peu après celui du détail, placé sous le monopole des sociétés françaises. Les commerçants Agoudas, les plus importants, sont alors en faillite. Quand l'administration coloniale est arrivée, elle s'est servie de ces gens-là pour étendre son influence. Mais après, parce qu'il y avait comme une sorte d'émergence de bourgeoisie locale contestataire et dont beaucoup venaient des rangs de ces gens-là, forcément, l'administration a travaillé à amoindrir leur influence. L'influence sociale et politique des Afro-Brésiliens amorce véritablement son déclin à partir de 1946, au moment où la vie politique et économique du Bénin change radicalement avec le nouveau système de représentation politique à l'Assemblée territoriale et à l'Assemblée nationale française. Les Anglais ne vont pas trop piper, mais très rapidement, les Français ont dit « Ouh là là !» Mais ils vont mettre en péril le commerce avec Bordeaux, avec Nantes, là, si on leur donne ce qu'ils demandent, c'est-à-dire être les porte-parole, être ceux qui vont servir d'intermédiaire entre les autochtones et nous, très rapidement, ils vont susciter la révolte au sein des colonisés. La culture française a laminé très fortement cette culture Agouda. On en garde quelques vestiges, c'est des reliques en quelque sorte, mais c'est aussi ce qui reste et qui doit garnir notre patrimoine culturel, en quelque sorte. Le déclin a commencé depuis 1945, quand le pays s'est ouvert pour la première fois aux élections libres, en 1945. Il fallait désigner
des députés béninois pour l'Assemblée nationale française. Un Aguda s'était présenté, Casimir d'Almeida, contre un fils du terroir, Sourou Migan Apiti. Parce que les Agoudas ont estimé que pour aller assumer une mission aussi importante, c'est un Aguda qu'il faut. Mais le Casimir d'Almeida a été battu à platitude. Je crois que c'est un grand moment historique pour marquer un peu le déclin de cette communauté-là. Ils n'ont pas pu, quand le pays s'est ouvert aux grands enjeux politiques, ils n'ont pas pu se positionner. Le pays profond a réagi. Vous êtes là, vous accepte, mais ne dépassez pas une certaine frontière. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. La question politique n'est pas le seul élément qui met progressivement fin à la primauté, à la suprématie de cette communauté qui a fortement influencé l'histoire du Dahomey. Des causes internes, endogènes, semblent plus importantes. L'ère Aguda décline en cette seconde moitié du XXe siècle. Va-t-elle résister à la poussée des autres communautés autochtones qui aspirent à mieux, qui s'instruisent elles aussi ? Nous le saurons dans la dernière partie de cette trilogie.